is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Allez, salut à vous et bienvenue pour cette course commentée. Nous sommes sur Gran Turismo 7, le circuit. Il s'agit du tracé de Deep Forest. Nous avons quelques pilotes avec nous, notamment ceux de la TZS. On est parti, rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien Febro. Mich qui a la pole, qui est suivi de TZS LMS Perk. Maximus en troisième position. Attention, ils vont arriver au premier virage. Mich qui prend la corde. LMS qui suit de très près. Maximus en troisième position qui suit également les deux premiers de la course. En troisième, en quatrième position, on a Jerem qui se bat avec Forsaken à l'arrière. Ganymede est présent également. Wam en septième position. Ça se bat dans tous les sens. Allez, on est sur Forsaken qui est juste derrière Jerem. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Au bout de la ligne droite, peut-être. Nous reviendrons ensuite sur le début de la course. Est-ce qu'il tente quelque chose, Forsaken? Forsaken ne pourra rien tenter. Tout le monde fait le petit train. Non, Forsaken ne tente rien. On revient en tête de la course. LMS Perk est passé en tête. Mich juste derrière. Un petit écart se forme, à peu près 5 dixièmes entre LMS Perk et Mich. C'est très serré à cette position, troisième position, troisième, quatrième, cinquième, c'est très serré. Forsaken qui tente quelque chose sur Jerem. Il passe, il prend l'intérieur. Est-ce que Jerem va pouvoir continuer à accélérer à la sortie du virage? Et c'est Forsaken qui passe. Attention, Jerem qui se bat, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, il reste collé, il part un petit peu en drift. Il lâche pas, Jerem, il lâche pas. Il est collé. Maximus, toujours troisième. Forsaken, quatrième. Et Jerem, cinquième. Alors on retourne sur la tête de la course. LMS Perk qui prend les devants avec à peu près 7 dixièmes d'avance. Un freinage. Mich qui se rapproche, qui prend pas du tout la même trajectoire, qui prend très large. Les deux courbes se valent, clairement. On peut le voir, il y a toujours 7 dixièmes d'écart à peu près. LMS Perk qui a pris à peu près une petite seconde d'avance là. Attention, attaque de Forsaken pour la troisième place sur Maximus. Et c'est passé. Maximus qui va pas lâcher l'affaire, j'en suis sûr et certain. On va regarder la vue intérieure. Maximus qui améliore son temps de 34 centièmes.
Il est collé derrière Jerem, qui est pas loin derrière non plus, à peu près à 6-7 dixièmes. Très belle bagarre entre Maximus et Forsaken. En vue embarquée sur Jerem. Ah, drapeau jaune à l'avant. Que s'est-il passé? Ah, c'est une voiture... C'est une voiture avec un tour de retard. Et Mich qui recolle TZS LMS Perk. Et on arrive sur le quatrième tour de ce Deep Forest. Les écarts se sont formés. Ouh là là, c'est très serré encore une fois. Entre la troisième, quatrième et cinquième place. C'est très très serré. Jerem qui revient sur Maximus. Jerem en cinquième position. Oh là là, attention, Ganymède derrière Jerem. Que c'est serré entre la troisième et sixième place. Quatre voitures en moins d'une seconde. Attention, l'attaque de Ganymède. Ganymède qui a passé Jerem. Attention, Jerem qui va pas se laisser faire. Qui est collé. Il est collé derrière. Il est collé derrière. Il va prendre l'aspiration. À la sortie du virage, il va ressortir en tête certainement. Est-ce qu'il tente quelque chose, Jerem? Il tente. Non, il ne va pas tenter. Ah si, l'intérieur. À la sortie du virage. Non, il reste derrière Ganymède. Oh là là, même Ganymède est collé à Maximus maintenant. Grosse pression sur Maximus qui a deux voitures derrière. Ganymède qui est parti en travers. Jerem qui passe. Non. Jerem qui a une demi-seconde de pénalité. Certainement, il n'a pas dû respecter la trajectoire légale. Petit drift également de Jerem. Ganymède toujours derrière Maximus. Forsaken est là aussi. Et LMS Perk qui tente peut-être avant le dernier tour. Mich, oh là là. LMS Perk qui fait l'intérieur, attention, il reste collé derrière. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'aspiration juste avant la ligne d'arrivée pour le final de cette course? Attention, ça se joue à quoi? Ouh là là, je crois que GTS Mich a laissé la victoire à LMS Perk. Victoire d'LMS Perk, deuxième Mich, troisième Forsaken. Bravo à vous les pilotes pour cette magnifique course. Maximus 4e, Ganymède 5e, Jerem 6e, Wam 7e, Yo-Yo le pilote 8e, Yakono 9e, Mux the Jude 10e, Citaran 11e qui arrive sur la ligne d'arrivée. Bravo à vous pour cette magnifique course sur Deep Forest. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine course commentée. Juste dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway bien sûr. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find
drives you. Find your line. PlayStation.